I'm ready. On peut jouer une femme ou un homme. Je vais jouer un homme parce que j'aurai. Ce sera plus simple pour moi. Pour la. Pour l'immersion. Attends, c'est quoi ça? Arme sélection. Ah, je fais pas la différence. Skin, pareil, hein, je vais rester plutôt blanc. Hein. Je sais pas trop, rose. Saumon. De légers paramètres de personnification de son personnage. Alors, j'ai pas pris le temps de lire le type. Due to fight intensity combat. Oui, alors il est tout en anglais. Hein. Et vous savez comment est l'anglais, ça fait deux. Allô? Pourquoi j'entends ma voix? Alors. Par contre, je vais refermer ça. J'entends une espèce d'écho. Et je ne sais pas si c'est le jeu qui propose ça. Ou si c'est. Alors. Je crois que je vais me lever. Hein. Ah oui, j'ai un couteau ici. J'ai un écho de ma voix. Est-ce que vous l'avez aussi, vous voulez cet écho? Ah, vous l'entendez aussi. Bon. Je sais pas si c'est pas dû. On l'avait pas tout à l'heure, donc je sais pas si c'est pas dû. Ah, attendez. Je vais faire un petit paramétrage. Oula. Merci pour ton message. Je le lis tout à l'heure. Je vais quand même vérifier un truc pour être sûr que ça vient pas du. Si j'y arrive, que ça vient pas du 1, 2. Ah, purée, je me fous le truc dans les yeux. Où est ma souris? Voilà, elle est là. Attends, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, attendez, parce que. Enfin, deuxième jeu. C'est quoi Albins? On va pas y arriver. Ça c'est réglé le son. Paramètres de son. D'entrée. On va voir si ça continue de le faire ou pas. 1, 2, 1, 2. Ah, je crois que. Ah, bah attendez, j'ai pas mon casque, c'est normal que je ne l'entende pas. 1. Je pense que c'est dans le jeu, c'est peut-être un, il te renvoie peut-être un écho de ta voix pour faire un effet un peu, je sais pas. Première fois que j'entends ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on l'a encore? 1, 2, je l'ai toujours. Mais c'est peut-être un effet voulu. Pour donner une spatialisation au son. Je règle correctement mon casque, parce que là, c'est pas terrible. Je vais peut-être me mettre debout en fait. Je vais me mettre debout pour jouer. Ce sera plus simple. Ah! Merde! Je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je mets la chaise en arrière. Alors, je vais régler la webcam. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que là, on est bon? Il y a Justine, un petit mec, je pense que c'est un effet de genre. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, j'ai bobo au doigt, regardez. Attendez, il faut que je prenne mes trucs correctement. Oui, je pense que c'est un effet. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué en VR. Donc j'ai mon couteau. Graphiquement, ça envoie. Hein. Mon flingue. Return the weapon to the holster and let go. Ok. Alors, si je fais ça... Bonheur. Ah, je vais casser mon main. Je vais casser tout ce qui est dans mon bureau. Ça va être horrible. Ah! D'accord. Ok. Attendez, je ferme ça. On est bon. Ok, reach up yourself. Oh, c'est hyper bien pensé. Donc là, on va pouvoir ranger des choses à l'intérieur du sac. C'est super bien pensé. Ah, j'ai vu apparaître une barre de take food from your backpack and hold it to your mouth to eat and restore stamina. Non. Ah, chouette, de la bouffe pour chien. Ah, je la mange. C'est hyper bien. Take bandage. Bandage. From your backpack and wrap them around you. Ok. Non, mais c'est ouf. Ah oui, d'accord. C'est hyper bien. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Reach over your right side. Non, mais j'ai jamais me souvenir de tout ça. Ok, the journal tracks your task, contains a map. Le journal contient une carte. Mais il ne laisse pas le temps de lire. Vitals. Station de craft. Ça a l'air très très complet. Je sens que je vais être dépassé par les événements très vite. Ça doit être la carte. Qui va certainement s'écrire au fur et à mesure. L'écho est bizarre. Hein. Ok. Alors, c'est pas fini. On peut prendre la... Ah, très bien. On a une torche. Wow. Et... Ah oui, d'accord. Il faut la secouer. Let go to the flashlight and it will auto return to your chest. Time for some combat. D'accord, on a un vrai tutoriel. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est énorme. Alors, pour se déplacer. Est-ce que je peux courir? Oui. Oh, regardez, ce sont des morceaux, ce sont des zombies sans bras. Bloqués dans d'énormes pneus pour pas qu'ils en sortent. Oh, c'est glauque. Ah, c'est flippant. Alors, bon, on commence par le couteau. Que je me souvienne. D'abord que je le récupère. Allez, c'est parti. Je l'ai eu. On va s'entraîner, hein. Et de deux. D'accord. Ce massacre. Je suis désolé. Je garde le couteau dans la main. J'ai lâché tout à l'heure, mais... Ah, je l'ai pas eu du premier coup. Il doit y avoir entre les yeux, peut-être. Pourquoi j'y arrive pas? Ah, je suis pas bon, hein. Weapons have a durability. Merde. Alors, les armes ont une durée de vie.
Proceed to the next era. Ok, je vais y aller, j'aurais vérifié. J'ai rien à récupérer ici. Juste, je lis le tableau aussi, parce que c'est important. Walk, run, eject, ammo, pause. Bon, la pause marche pas. Hein. Ok. Fire, interact, grab, oculus. Ouais, eject, ammo. Ok. 4 pattes, mode 4 pattes, mon mode préféré. Voilà, le crush. Talk, skip, fire, ok. Large weapon, not broke, flashlight, backpack, small weapon, ammo au niveau du nombril. Alors merci pour vos notifs, hein, je lirai vos messages tout à l'heure. Bon, on va faire le tutoriel, pas le choix. Bonjour les gars. Yes. Bon, eh bien chers amis, allons-y. Je vais me blesser. Rends-moi ça. Alors, comment je connais la durabilité de ma hache? Il n'y a pas de jauge particulière. Ouf, je sens que je vais l'aimer cette arme. Ah, je me suis fatigué en faisant ce coup, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma jauge, oui, vous devez mieux la voir que moi. J'ai une jauge d'essoufflement. A priori. Mais rends-moi ça! Ah, j'ai du sang partout. Et la jauge du bas, j'arrive pas trop à cerner les icônes qui l'entourent. Bon, j'avance. Ah, va falloir crouche. Shake off workers when they grab you. Shake off si je fais ça. Oh mon dieu, j'ai pas envie d'y aller. Si je me baisse. Ah ah, d'accord, faut que je le repousse. Putain, j'ai flippé. Coucou! Viens! Allez! Bon, on va s'entraîner avec l'autre. Pousse-toi! Mais c'est une horreur! C'est horrible! Ce qui est marrant, c'est que le personnage fait vraiment les sons que je ferais moi si j'étais attrapé par un zombie. Le pistolet. Comment on recharge? Ah oui, d'accord. Éject. Oh, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Je peux viser tranquillement, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Quoi? Je l'ai eu. On peut le tenir à deux mains aussi. Ok. J'ai pas gardé le couteau tout à l'heure. Je voudrais m'entraîner un peu parce que... Bon. Ok. Bonjour. Et là, c'est un autre joueur, un vrai. Ce serait génial de pouvoir jouer à ça en multi. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Ah, il me demande si je veux quitter le tutoriel. J'ai pas compris. Hold the Y button on the left controller and use the right stick. Ok. Ah oui, the left. Ah oui, voilà, d'accord. J'ai compris. Donc quand on me parle, si je veux répondre, je suis Y. Oui ou non. Sa question, c'était est-ce que je voulais continuer le tutoriel ou pas. Bah oui. Are you sure about that? C'est bien ça, je me suis pas trompé.
Hot damn, would you look at that? Just remember, them walkers... Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat tutorial? Ah, c'est ça, il me demande si je veux quitter le combat tutorial. No. Well, have at it then. Well, invitation. Ok. Ah bah je le quitte là. J'ai rien compris, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Alors c'était un tutoriel, c'est pas très passionnant. Ça pose les bases, j'espère réussir à me rappeler de tout. Nous sommes dans le bayou, il y a une semaine. The tourist in the flesh. Oh, stories about you been buzzing all over the bayou. Word has even reached Nola. Yeah. But if the city is where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Here's a friendly warning, one lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. Oh merde! The tower on one side, looming on the horizon, high and mighty. Spouting their all-for-one ideals and shunning any folks who don't be toeing the line. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl. Oh mon Dieu! And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies for when the flood to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. Before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds, military-grade weapons, and ammo to boot, untouched, hidden. Yeah. And guess who's close to unearthing the mother lode? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. There would be a 50-50 split in your future. Ah. I ain't greedy, and I ain't no fool. Alors, j'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté. You're a ponder tourist. You just might be what this sinking city needs to keep his head above water. But then again, maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. Donc je disais, j'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit. Oh là là. Je fais quoi? Je fais quoi? Non! Oh mais c'est fou! Oh c'est abusé d'entrée de jeu comme ça!
Je suis dans le noir total, hein. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Oui, genre, j'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté. Voire, j'ai limite rien compris. En fait, dans le casque, les sous-titres sont trop bas, trop près. Et je sais pas que c'est illisible, mais j'en arrivais pas à les lire. Et j'écoutais pas trop. J'étais plus intéressé par ce qui m'entourait. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Dommage qu'il n'y ait pas de traduction en français. Un loading un peu long. Day one. Premier jour. Donc a priori, je ne suis pas mort. Suite à l'attaque du bateau. Alors qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai rien, j'ai pas de flingue, j'ai pas d'épée. J'ai un sac avec un couteau. Je vais le prendre. Je l'ai mis. J'ai un bandage. Donc j'ai mis le couteau sur le côté. La lune est pleine. Je pense pas qu'on puisse fouiller tout et n'importe quoi. Wow ! Comment j'ai fait ça ? On peut utiliser les mains pour... Oh, ça c'est super bien pensé ! On peut utiliser ses mains pour escalader des objets. Et donc se mettre en hauteur. Ce qui peut être particulièrement utile. Est-ce que je peux monter là ? Oh ! Ah, je tombe. Dommage. On doit pouvoir escalader des trucs, faut que j'essaye. Ça peut me sauver la vie. Allez, tu l'as fait déjà. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas que je perde mon couteau. Hein. Non, remets-le. C'est pas ça que je veux faire. Donc si je fais ça... Non, ça marche pas. Bon, j'insiste pas. Mais certainement que je vais pouvoir... Enfin, je vais certainement pouvoir me mettre... Non. Non, Graveyard Strut. Me dites pas que ça commence dans un cimetière. Alors. Je suis où? Bus. Je suis où? Là. Ok, on a un plan. Je suis là. Il faut que je traverse le cimetière. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Un bateau? Et il faut que j'aille jusque là, je pense. Ok. Bon, bah on y va. Punaise. On te fait jouer à un jeu avec des walkers, des zombies, des morts-vivants, et tu commences dans un cimetière. Sachant que j'ai absolument... aucune arme. Si, j'ai un couteau. Ah, oh, mais regardez, même la végétation a l'impression de voir des zombies partout. C'est très sombre. Hein. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous. De toute façon, je ne toucherai aucun réglage maintenant, parce que... est-ce que pour vous, tout va bien, d'ailleurs? J'ai pas revérifié. Est-ce qu'on est bien... Ça se trouve, depuis tout à l'heure, ça ne marche pas. C'est assez sombre. Ok. Mais vous ferez avec. Oh, il y a du sang par terre. Graphiquement, le jeu est beau. Il y a un petit côté qui rappelle le jeu en cel shading. Ah, il y a un corps là, je crois. Oh putain, s'il bouge, je vais être mal. Yes, un poinçon. J'ai deux armes. J'ai un poinçon et un couteau. Il y a rien d'autre. Ah mais c'est génial, on peut interagir avec sa tête. Je peux lui mettre des baffes. Poum poum poum, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Ah lui je le sens pas.
Lui, je le sens absolument pas. Ce corps, là, je sens que ça va me sauter dessus. Oh, il y a un cercueil juste derrière moi. C'est glauque. Ah, la musique. Ah, est-ce que je le perce juste pour être sûr? Mais rends-moi ça. Donc oui, je peux voir son... Ah voilà, regardez, on a tout ça. C'est génial. En fait, quand j'approche l'arme de mon visage, je peux avoir tous ces paramètres. Sa durabilité, sharpness, je sais pas ce que c'est, je sais plus. Throwing, c'est pour le lancer. Et on a, j'ai l'impression qu'on a aussi les éléments pour le crafter. J'entends des râles, hein. On est passé. Wap, 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 wap. Walker. Je suis à quatre pattes. Alors on a toujours le phénomène d'écho sur ma voix. Ah mais c'est que quand je suis dans des bâtiments. Là je suis à l'intérieur et donc on a l'écho. Oh putain. On va essayer de se le faire, mais j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Allez, rends-moi ça! Et dehors. Alors, attendez. Je l'entends à droite. Je me demande si j'ai mis mon casque du... Enfin, du bon côté. On va vérifier. Il n'y a pas des trucs à récupérer sur elle? Si. Ah oui, il y en a un à droite, c'est bon. Je vais ranger ça dans mon sac. Pour le moment, le jeu est juste excellent, je suis à donf, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur elle? Oh, comment il est tombé, c'est horrible. Si, on a un papier. Est-ce que c'est dans le cimetière, ça? Bon. Est-ce que, je sais pas si je l'ai gardé. On va aller voir ce que fait ce zombie juste là. Je sais pas s'il peut venir. Je sais pas s'il m'a vu, j'ai pas l'impression. Je sais pas si je dois passer par là. Je vais faire le tour. Il y a quelqu'un juste là. Pff, autre zombie là-bas. Je vais aller voir ce corps juste après. Je vais pas oser aller beaucoup plus vite. Hein. Je fouille parce qu'on sait jamais, je pourrais trouver une arme ou quelque chose. Ah, oh, pauvre. Elle a rien. Pas d'objet à récupérer. Je trouve peut-être la musique un peu forte. Comment j'accède aux options? Là. Audio. Musique. Voilà, c'est mieux. Ah, zut.
Lui, il m'embête parce qu'il est un peu sur mon passage. Si je passe par là, je suis face à lui. Je serais bien passé par là, en fait. J'y vais. Il s'en va. Je suis en train de faire n'importe quoi. Où est mon arme ? C'est pas grave. Je l'ai raté. Ah, c'est bon. C'est chaud. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh ! Une chaussure ! Incroyable ! J'ai vraiment bien fait de venir. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais la mettre dans le sac. Je sais pas qui elle est, mais elle a certainement une importance qui m'échappe pour le moment. Alors on peut laisser sa torche allumée sur soi. Mais je vais mettre 4 heures à traverser cette zone, c'est pas possible. Chut, putain, je me jette sur la grille. J'ai fait beaucoup trop de bruit là. Ah, c'était là ça ? A patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. Cyrus got messed up pretty bad. But the savages paid the price. One of the corpses had this drawing on it. Look familiar? Doesn't bode well. If that little shit and her traitor mother are working with the reclaim to locate the reserve, time is not on our side. No more fucking around. We prioritize their capture, and we get that key back. I don't want Mama to worry, so keep this between us for now. Be cautious but aggressive. We stir the herd at 1700. Keep on the hunt till the last minute. The tower will always stand. Elle se tait un moment. S'il te plaît, merci. On va essayer de l'attraper par derrière. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis à donf dans le jeu. C'est un jeu qui demande... Là, franchement, c'est extrêmement immersif. Je vais essayer de me le faire par derrière, mais ça va être chaud. Non mais vraiment, il m'a pas vu. Oh là là, je vais vous dire un truc, le coup de couteau comme ça est vraiment jouissif. T'as le coup comme ça où tu as vraiment le sentiment de planter le zombie, mais le fait de récupérer son couteau aussi, c'est vachement bien pensé, vachement bien fait. C'est horrible, mais c'est vachement bien. Ah oui, faut que je le secoue ça. Je fais un peu le tour hein, pour être vraiment sûr de rien zapper. Il y a du monde par terre là. Oh merde, il y a trop de corps. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais m'approcher de celui-là d'abord. Oh, il a un masque ! C'est des mounettes ! Je suis à quatre pattes. Je vais avancer de manière très progressive. Oh, la musique est folle.
Ah oh putain, j'ai eu peur. Oh. Toujours en ville, monsieur. Attends, je vais t'aider. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour t'aider? Je sais pas. Attends, j'arrive. On va récupérer ça. Change mon arme. Qu'est-ce que c'est? Time to make an example of the old man. We have let his transgressions slide for too long. Okay, track him down, carve him up, hobble him a bit, but let him live. JB would like to have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airways from time to time, and you know how JB feels about competition. All ears should be tuning in to the Reclaimed. Alors là, j'ai un petit souci. Je vais voir avec vous si vous savez ce qu'il faut que je fasse. Je vais compter sur vous un peu sur la trad et sur... Oh, le pauvre homme. Faut que je l'aide. Mais j'ai peur qu'il se transforme. Bon, je peux pas le laisser comme ça. Henry ou my friend. Alors, vous allez me dire. Je fais une petite pause. Ça me permettra de lire vos messages. Wow. Alors, dites-moi tout. Faut que je garde ça pour pouvoir parler, évidemment. Alors, beaucoup de cheers, beaucoup de beats. Et alors, attends, je sais plus du tout où on est. Aaron Hidoga qui s'est abonné, mais c'est vrai que je l'ai lu tout à l'heure. Lord Borak, 1000 beats, merci beaucoup. Bonsoir Gus et tout le monde, je l'ai lu tout à l'heure. C'est bientôt la période des crêpes, je l'ai lu. Faut que je clique dessus. Koragashi, merci beaucoup pour ce 11e mois. Coucou, bonne soirée, la bise. Ça déchire. C'est le vieux du début. Alors attendez, c'est le vieux du début, pas du tout. Si, il veut que tu le fasses clamser. Pourquoi tu pourras jeter les chaussures pour faire diversion, je pense. Tu en ris. Il s'appelle vraiment The Walking Dead, ce jeu. Oui, oui, oui. Il s'appelle vraiment The Walking Dead. Kagali, merci beaucoup. Bonsoir à toi. Gros, gros bisous. 200 bits, merci beaucoup. J'oublie mon message. Trop contente de te revoir, Gus. Merci pour toutes ces soirées avec toi. Merci beaucoup à toi. Merci à Anaki pour ses 100 bits. Merci à Anaki encore pour 100 bits à nouveau. Coucou Gus, je te suis depuis un moment déjà. J'adore ton travail avec Chasseur de Fantômes et Télav également. Continue comme ça. Merci beaucoup. Salut Guillaume, elle a l'air sympa. Allez, fais-nous rêver. Rilo, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci à Lusgard aussi pour ses 100 bits. Bonsoir, ce jeu est vraiment super. Vive les zombies. Ah, j'adore ça, les zombies. Alexis, merci beaucoup pour ce 5e mois d'abonnement. Merci à Spinal du 56 pour ses 100 bits. Coucou Gus, ravi de te revoir en live. Le jeu a l'air cool. Hâte du prochain CDF. Il arrive. Je suis dessus comme un fou. Merci beaucoup. Alors. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait de ce cher Henri, ce cher monsieur? Salut à tous, hein. Je vois qu'il y a des gens qui rejoignent le live, merci d'être là, c'est cool. Donc ce soir, un jeu qui s'appelle The Walking Dead en VR, donc c'est très immersif, je le découvre, c'est le début. Le son n'est pas très bon aussi, hein. Ma voix avec le casque, je passe par la VR pour avoir le casque. On me dit tue-le, c'est le vieux du début, d'accord, je ne l'avais pas reconnu à tête en bas. On me demande de le tuer, on me propose, enfin, vous me dites de le tuer. Alors, je réponds quoi? Puisqu'en fait, on me dit, au départ, ce vieux te parlait d'un bunker rempli de ressources d'avant la catastrophe. Faut le sauver et être sympa avec lui. Laisse-le en vie, augmente la luminosité, STP. Mais pourquoi il s'est attaché et pendu par les pieds aussi? Je vais essayer d'augmenter la luminosité, mais ça, quand je fais ça, en général, je suis planté tout le jeu. On peut essayer. Propriété, filtre. On va mettre filtre. Plus. Type du filtre. Correction colorimétrique. Terminé. Gamma contraste. Voilà, je vous ai augmenté la luminosité. C'est fait. Sauve-le dans le jeu directement. On le garde pour qu'il tue les zombies avec nous. Bonne idée, mais j'ai peur qu'il se transforme et qu'il m'attaque. C'est une proposition de dialogue. Ok, bon, je vais voir. J'essaie de le sauver. On verra bien. Je fais ce que je peux. Malheureusement, comme je vous l'ai indiqué, alors,
J'ai un double problème avec l'anglais. La première chose, c'est que je suis loin d'être bilingue. Je m'en sors un peu, mais c'est pas évident. Et la deuxième, c'est que les sous-titres dans le jeu sont pas évidents à lire parce que c'est écrit vraiment... On y retourne. J'ai oublié de remettre mon casque. Ah, fait chier. C'est compliqué. Les live VR, c'est pas simple. Merci pour votre patience, votre compréhension. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens, le casque. Sinon, je vais entendre les zombies qui arrivent à droite. Je vais les entendre à gauche, ce qui peut poser un peu des problèmes. Allez, on y retourne. Ah, putain. C'est vrai, il est là, lui. Alors, A priori, on se connaît. Je lui braque la lampe dans la tête, c'est pas cool. Cette lampe, elle a une durée de vie ou pas? Non. Alors, on va faire Y, Henri. Relax, it's me. What happened to you? Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh, do me a solid. The bus. Ouais, je sais. Oh, je vais y aller. Je t'emmène avec moi. Allez, on va y aller tous les deux. Don't let it go to waste. I'm begging you. Elle aide l'enfant. Her mom, sa mère. 50-50. 50-50 stones. Ok. Le bus, la mère, le fils, l'enfant. Yes, j'ai compris. Understand. Qu'est-ce que je fais de toi? Drown the motherfuckers. Motherfucker, ça j'ai compris. Henri, who are you talking about? Ouais, de qui tu parles, Henri? Waterfall. Une si longue cascade. Waterfall. Je crois, hein. C'est tout. Il veut pas venir avec moi. Quoi? Est-ce qu'il est mort? Oh! Pas du tout! Ah, attends. J'aime bien les prendre dans ce sens, moi. J'ai pas le choix. Ok, il s'est transformé. Il fallait s'y attendre. Hein. Donc on va continuer sans lui. Oh là. Je regarde toujours s'ils n'ont pas une arme sur eux ou un truc. Oh la pauvre. Le bus! Déjà? Faut que j'étudie ma carte là. Ah mais oui, c'est allé très vite en fait. On est ici. Le bus est juste là. Il faut aller là en fait. Pour récupérer un bateau. D'accord. Ah, j'ai survécu un jour, Vitals. C'est vachement bien. J'en profite pour regarder un petit peu le carnet de bord. Find the old man. Ça y est, c'est fait, non? Bon. Allons-y. Le bus est là. Oh putain. Moi, j'ai qu'une crainte, c'est de tomber sur des zombies très rapides et nombreux. Ça va forcément arriver. Et alors, on a cette tour là-bas, je pense que vous la voyez. On la voit quasiment depuis le début du jeu, en face, qui est éclairée. Elle doit avoir une importance. Alors qu'on a des petites lucioles qui volent dans le ciel, c'est beau. Alors, je vais m'approcher délicatement. Attends, prends ton arme. Elle est rouge, je pense qu'elle n'en a plus pour longtemps. Weapon, mais on voit sa barre de vie en haut. Sa barre de durabilité, je pense qu'elle est bientôt... Ah, je peux le jeter, le couteau. Quoi ? Graveyard Sturt, task complexe. Ok, j'ai réussi cette mission-là. Alors.
This is it. The old man's hideout arrested Otbus. Try to piece together what's on our server. J'ai pas tout pigé. Je suis un Français, voilà. Le scénario, c'est que je suis un Français, pas bilingue, perdu au milieu des zombies, aux États-Unis. Je suis arrivé en bateau et c'est la merde. C'est la grosse galère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les tables de craft. Oh là 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 là. C'est énorme. Des munitions. Je prends. Oh mais regardez ça, on peut faire un feu de camp. Enfin, on peut faire cuire de la nourriture. On peut fabriquer des bandages. Il y a énormément de choses. Bon, j'espère qu'on va m'apprendre à maîtriser tout ça. Il va bien falloir y arriver. Bon. Il y a quelque chose là. Heart of Darkness, le cœur des ténèbres. Est-ce que je peux lire ce livre? On va le mettre de côté. Oui, quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure que la chaussure pouvait très certainement servir de projectile pour attirer l'attention. Enfin, pour détourner l'attention des zombies. Oh, mais l'intérieur du bus est juste énorme! C'est génial! On va éviter d'utiliser le micro pour pas se faire remarquer. Parce que pour peu que ça se mette à fonctionner, je pourrais attirer les zombies. Oh, mais c'est quoi ce délire? Regarde, on peut mettre des choses, il y a des emplacements pour ranger des objets. Est-ce que je suis... Alors, je suis peut-être même dans mon QG, en fait. Ça va peut-être l'endroit dans un cimetière. C'est glauque. J'ai aucune envie de rester là pendant tout le jeu. Est-ce que je vais pouvoir refaire fonctionner ce bus? Trop de questions. Ça, c'est quoi? Une poubelle. Une poubelle de recyclage. Un lit! On a des objets là-dedans. On a une tête de mort, un pot. Je vois pas à quoi ça peut servir. Mais je peux la jeter sur quelqu'un peut-être. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Fellow finite jest. Je sais pas ce que c'est. Faudrait qu'ils traduisent le jeu. Hein. Ça, je peux peut-être m'en servir comme arme. Oh! Un pistolet, un morceau de pistolet. Je le prends. C'est toujours ça. Il suffit que je trouve le reste. Bandage, j'ai pas besoin de me soigner pour le moment. Je m'en sors pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a là? Look on hands to read then. Look and close. Couteau. Ah là! Yes! On a un pistolet. Alors. Non, c'est pas ça. Bon, d'accord. I had an inkling, and by God, I was spot on. Répare la radio. Okay. It's out there. It exists. This journal I found proves it. Still, so much work to be done. Stones that gotta be overturned. Riddles that need solving. Merde! And frequency 61 has to be connected to the reserve somehow. Command and control, I'm guessing. That's the next step. If I can get this blasted radio repaired. Wonder if someone is still inside. Antenne. As soon as my ankle feels steady, gonna take the skill to that mansion in the Garden District where Niles and I recorded the Tipsy Blue record, the Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone for the radio. T'inquiète, j'ai compris. Passcode, Atlanta, Chicago. Got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. Haven't slept in 3 days. These creaky bones are rattling with excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Grub, meds, weapons, ammo.
haul of a lifetime. Set me up for a decade. Could sure use the tourists' help, though. Hell, I'd even be willing to split 40-60 if they make all this easier. Hope they show up before it's too late. Getting old. Merci. Alors, il faut que je répare la radio. J'ai déjà récupéré l'antenne que j'ai mis là-bas. La batterie. Where is the battery? Merde. Il y avait une batterie juste là. Elle est tombée. Non? Non! J'ai déconné. Alors, j'avais porté la batterie, je me suis arrêté parce que je voulais vous dire que la batterie, quand tu la portes, il y a vraiment le poids, t'as l'impression qu'elle est très lourde à lever. Enfin, tu sens pas le poids, mais le personnage a du mal à la porter. Elle a disparu. Fais chier. Mais non! Ils sont sérieux? Mais je peux pas réparer la... Je peux pas la réparer pour le coup. J'ai un bug de batterie. Elle est quand même pas tombée derrière ou sous le bus. Fais chier. Je suis en train de me dire qu'elle a peut-être traversé la table et le sol. Un bug. Oh mais c'est pas vrai. Est-ce que... Dans le sac, vous l'avez vu dans le sac? J'ai regardé, je l'ai pas vu dans le sac, c'est pour ça. Ah, elle est là. Ok. Item auto, ça marche. Qu'on a batterie. Je voulais m'intéresser à cette petite flasque. Merci. Hein. Merci pour ton message. Ah d'accord. J'avais pas bien compris. Deuxième jour. J'ai cru que j'allais me retrouver. Ah mais il faut que je mange alors. Est-ce que le jour va se lever hein, ou pas? Ou est-ce qu'il fait toujours nuit? Donc pour dormir, je dois boire. C'est terrible! Voilà où j'en suis rendu! Je suis devenu alcoolique. Sans alcool, je ne dors pas. C'est atroce. Donc, la radio. Ouf, tu vois, dès que je la prends, j'ai le bras qui descend. On est bon. Alors, déjà. 55, j'ai vu que c'était Atlanta. Allô, allô? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Ah si, le jour se lève. Regardez, il fait jour. Un peu gris, un peu couvert, mais il fait jour. Mais c'est un trou, le micro. Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Ici, Gus DX. Alors, attendez. Comment je peux faire? On avait les coordonnées... C'est pas celui-là. Il me semblait que j'avais récupéré un bouquin avec les coordonnées. Bon, c'est pas grave. Allô, allô. Esprit, es-tu là? Non, j'ai l'impression de faire la spirit box. Ah. Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend? Merde, je l'ai éteinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Répondez. Allez, je me tourne vers vous parce que là, je sais pas ce que je dois faire. J'ai plus le livre avec les... Alors, attendez. Moi, je suis là. If you hear the bells, run. Si tu entends les cloches, cours. Ok. The Shallow. Oh là là, le jeu a l'air fou, regardez tout ce qu'il va falloir faire. Ah, oh, tu m'as fait flipper. Merci. Un bunker. The reserve is real. La réserve est vraie. Où est-ce qu'elle se trouverait sur la carte à ce moment-là? Food made weapons. The reserve is real.
Oh là 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 là, je suis comment au niveau de ma vie? Est-ce que je peux le savoir quelque part? Use the skiff to travel to the shallow. Henry croit que réparer la radio will get him closer to the avenue. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de spécifique avec la radio? Tu ne trouves pas qu'il manque un truc sur le micro? T'as raison. Je me disais que c'était... Ah bah, il manque le micro. Merde, j'ai fait tomber. C'est bon. Effectivement, il manque le micro. On va le chercher. Il doit être par là. Je le vois pas. Oh, qu'est-ce que c'est? De la bouffe qui a pop pendant la nuit. C'est énorme. Oh là là, ça va être compliqué si j'arrive pas à traduire tout ça. Oh purée, merci. Qu'est-ce qu'on consume medicine to restore max health? De la médecine. Une barre de céréales, du crunch, je prends. Ah bah non, je la mange. Bon. Tant pis. Est-ce que je peux déjà utiliser... Ah, et là, on a de quoi cuisiner. Mais j'ai rien, j'ai absolument rien. Food restore max stamina, but rotten. Ok, donc c'est une explication sur les soins et la nourriture qui redonne de la vie. Upgrade your station, améliore ta station to unlock the next recipe, to débloquer le prochain prochaine possibilité. Craft new gear and items with right recipes. Il faut de l'adhésif, faut quoi? 5 adhésifs. J'ai absolument pas tout ça. Bon. Eh ben les amis, on n'est pas rendu. Ah mais je l'ai pas mangé, il est là. J'ai pas le micro. Est-ce que vous savez où il se trouve? Est-ce que vous l'avez vu? Alors que je ne l'ai pas vu. Alors non, apparemment vous n'avez pas plus d'infos que moi. J'ai chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud dans mon bureau. Hein. Alors, je reçois des SMS, je vais les regarder rapidement. Je vous ai dit que je devais aller chercher ma fille qui fait du théâtre, enfin qui est au théâtre ce soir. C'est peut-être en rapport. Je pense pas, c'est un peu tôt. Non, ce sont des messages de Didier. Je les lirai plus tard. Didier à qui j'ai soumis une découverte que j'ai faite aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah voilà. Alors, le micro se trouve où ? Il est absolument pas dans cette caisse qui est vide. Ce que je pourrais peut-être faire par contre, mais je sais pas si je vais revenir ici quoi. C'est ranger des choses là. Mais le reste tout peut me servir. Items for scrap. Salvage items for scrap materials by dropping them in the bin.
Par exemple... D'accord. J'ai obtenu du métal. Encore du métal. De la poudre. Mais c'est génial. Ça, est-ce que je le garde ou est-ce que je le recycle? Je vais le recycler. D'accord. Génial. Le livre, je suis pas sûr. Quoique la perle pourra me servir à grand chose, on va voir. De l'adhésif, de la fibre. Je vais quand même pas devoir fabriquer mon micro. Bon, là, je suis en train de découvrir le jeu. On en est vraiment qu'au début. Ça a l'air beaucoup plus complet. Moi, je pensais que j'allais me promener au milieu des zombies et passer mon temps à les tuer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toute une phase vraiment de survie, de craft. Alors, je sais pas à quel niveau c'est poussé. Moi, je cherche un micro. Il doit être là. C'est pas possible. Là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans, non? Non, je peux pas attraper ça. Mais je l'ai vraiment pas vu, le micro, quoi. Où est-ce qu'il peut être? Bon, on va avancer, on va pas rester là plus longtemps. Ah, mais je suis pas venu voir, là, regardez. Des flèches? Qu'est-ce que c'est? Des flèches! Mais il manque l'arc! Daryl est passé par là. Est-ce que je peux récupérer ça? Je peux pas récupérer la bougie, quel dommage. Il y a le radeau juste ici. Un hamburger. Je sais pas ce que c'est. Ça se mange, c'est quoi? Box of stuff, c'est une boîte de trucs. Il y a des antiseptiques. Il y a plein de matos. Ok, bah je la prends. Je pense qu'il faudra la mettre dans la poubelle de recyclage. D'accord, donc ça c'est mon véhicule. Et derrière moi, le bus, c'est l'endroit auquel, dans lequel je... Alors voilà, voilà ce que je crois. C'est qu'on va prendre ce véhicule et qu'on va régulièrement pouvoir revenir au bus pour améliorer son équipement, ses compétences. Enfin, j'imagine. Donc là, on devrait se diriger vers le prochain lieu. Alors, je vérifie l'heure. Hein. Je vous rappelle que je dois aller chercher ma fille. Oui, voilà, 22h30 déjà. C'est passé très vite, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je joue. Je vais peut-être devoir en rester là pour ce soir, malheureusement, parce que je dois aller chercher ma fille qui revient du théâtre où elle était ce soir. Repair the radio. C'est vrai qu'on n'a pas réparé la radio, quoi. Non, je peux pas aller là-dedans. Mais je pense qu'il faut que je trouve le micro et je pense qu'il est... Ah, je sais pas. Je sais pas. Alors, je mets la pause, hein, histoire de vous lire, de voir avec vous ce qu'on fait. Ah, ça donne chaud. Alors... Déjà, je vérifie
mais ça je digère après. Réparer la radio pour contacter Isabelle. Moi je regarde, j'attends une nouvelle saison, pas évident le jeu. Oui, pardon. Si j'ai pas le casque dans la main, je peux pas vous parler. Oui, le jeu n'est pas évident. À quelle heure je dois partir ? Normalement, elle doit rentrer vers 23h. Mais le temps d'aller la chercher, je pense que dans un quart d'heure, j'arrête le live. Ne remets pas plus le filtre SCP, ça casse le côté horreur du jeu, c'est trop blanc. Ah bah, excusez-moi. Alors... Voilà. Tu sais qui est GoFog ? Non, absolument pas. On me demande si actuellement avec les nouveaux Oculus, ça vaut le coup ou le panel de jeu est encore trop. Il y a beaucoup de jeux très intéressants, comme celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres hein, qui sont vraiment très sympas. Après, il faut réparer le micro, c'est pas long. Après, le truc avec la VR, c'est que ça demande de s'installer. C'est... Contrairement à un jeu où tu vas te poser sur un fauteuil ou sur un canapé, c'est beaucoup plus, pas physique, mais voilà, ça demande une... C'est une démarche un peu différente de jeu, que moi, auquel j'adhère et particulièrement. Mais ça te demande un peu plus d'énergie qu'un jeu classique. Il faut réparer le micro, c'est pas long, mais je sais bien. Mais ma question, alors, sur le micro, est-ce que selon vous, le micro, les éléments du micro se trouvent près du bus où nous étions, ou est-ce que je vais le trouver dans cette partie dans laquelle on est actuellement ? Tu vas trouver la pièce manquante dans ce lieu. Ok. D'accord. Alors on va faire un petit tour pendant un quart d'heure dans le lieu, voir un peu si je trouve tout ça. Sinon, on va devoir arrêter, parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille après, puisqu'elle revient du théâtre, je vous le rappelle, et que je suis censé aller la chercher. Vers 23h, je la récupère à la gare de tram, pour la ramener en voiture à la maison. Vous savez tout. Ah, j'ai oublié de lire vos messages. C'est pas... Alors, je les lirai après, je m'excuse. Bon, allez, on y va. Oh là là, j'ai cru que c'était un grognement. Y a quelqu'un en face ou c'est une impression ? Non, y a quelqu'un en face, mais je sais absolument pas si c'est un zombie ou pas. J'ai pas l'impression. Non, c'est pas un zombie. La personne a une bulle. Mais sur quoi je me suis cogné ? What ? Attendez, j'ai pas rêvé. Bon, c'est pas grave. J'arrive. D'accord, elle me dit de faire attention, il y a des... Des walkers tout autour, des marcheurs. I need your help. Ok. I need a microphone. My husband. Mon mari, il est parti, il n'est pas revenu. But I just couldn't pull the trigger. He was all I had left, but I failed him. I'm so ashamed. Would you be willing to help me out? I just can't bring myself to do it. I need someone else to end this nightmare. Ok. Allez, on va l'aider. I will put him to rest. On va l'aider. Je sais pas si elle est bien tombée avec moi, mais on va essayer. So kind. Here, take this key. Thank you. Second floor, the blue mansion. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Deuxième étage, j'ai pas le temps de dire. I noticed your watch. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. You don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh. Tu parles trop. Il parle trop dans ce jeu. Request. Ruben's wedding band. If you could retrieve it, it would mean so much to me. At least I could carry once more. Ok, je fais le tour quand même. On sait jamais. Une barre de céréales. Peut-être tout à fait intéressante à trouver. Allez, on y va. Bon, je reviens avec le mari. Le mec qui sûr de lui. Ça peut servir.
Je vais ramasser tout ce que je trouve. Place items. D'accord, on peut les placer directement. Une autre chaussure. Ah, c'est génial, ce côté récup. C'est comme dans le jeu. Moi, j'adorais ça quand dans The Walking Dead, quand ils font des raids comme ça pour essayer de récupérer de la bouffe et du matériel. Non, je veux la brique, là. Je veux voir si je peux récupérer des briques. Mais je veux pas mon arme. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, faut bien que je regarde partout, parce qu'il y a peut-être des trucs à récupérer un peu partout. Alors, question, est-ce que je peux ouvrir le... Non. On va aller voir là. J'entends marcher. Putain, il y en a un. Je crois qu'il est chopé. Chopé. Putain, j'ai envie de dire que c'est mon premier vrai zombie. Mon premier vrai rush de zombie. Alors, il fallait que ça arrive. C'est bon, ça me démange le nez à chaque fois ce casque. On va continuer par là. Une gamelle. Ça, c'est tous des objets que je vais pouvoir recycler. Je sais absolument pas si je prends la bonne direction. Zombie. On va passer par là. Hein. Est-ce que j'ai une carte de cet endroit? Yes. Alors, je suis arrivé où? Bordeaux! J'y crois pas! Regardez. Donc, j'étais là. Je pense. Non, là. La femme est là. Ok. Ce jeu est génial. Franchement, je m'éclate. Il y a des morceaux de flingue par terre. Je vais tout récupérer. Tout est bon à prendre. Bordel, il y en a deux. Non, et pas le choix, cette fois-ci. Oh ! J'ai eu les deux. Est-ce que je peux recharger ? Je me souviens plus comment on fait. On verra bien. Pardon. Ah, mais ils meurent toujours dans des positions horribles. Ils sont bien dégueulasses quand même. Ça se boit, ça? Yes. C'est juste pour essayer. Hein. Je vois pas de zombies. Je me régale. Franchement, je me régale dans ce jeu-là.
J'entends grogner. Zombie. Ouh, ça va être chaud. Il y en a un qui arrive là. Je pense qu'il y en a un juste là, derrière l'arbre. Je vais tomber nez à nez avec lui. Ah putain, tu m'as fait peur! Oh, c'est pas cool! On va essayer de se le faire, mais je vais pas pouvoir continuer à jouer. Faut que j'aille chercher ma fille au théâtre. Enfin, à la gare. S'il est tout seul, je pourrais le rush. Il est pas tout seul. Ok. Bon. Je vais fouiller par là. Bonbonne. On va faire un truc. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose avec la bonbonne. Je fais juste le tour là pour vérifier qu'il n'y a pas du matos à récupérer. Merci pour ta notif, merci pour ton message. Je vais devoir m'arrêter. Fais chier, je m'éclate. Je trouve ce jeu énorme. D'où il sort lui? Bon, c'est ça que je voulais essayer. Ça fonctionne. Les bonbonnes, ça marche bien. C'est génial. Alors, il a un copain. Est-ce que je peux récupérer son bras? Mais tellement! Est-ce que je peux le jeter, puis genre, par là? Merde! Merde, 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 il vient vers moi. Hein. Mais ils sont deux! Ils sont deux. Bon, ma fille, je peux pas venir te chercher. Je suis en galère avec des zombies. J'ai vu que... Il m'a vu. Ok, ça marche. Il y avait une autre bonbonne par là. Est-ce que je peux m'en saisir? Yes. Sauf que c'est lourd. Je vais faire un piège. Il est passé où, ce con? Il est là. Je sais qu'il y en a un deuxième, faut que je me mette. Putain, il est là. On va le prendre à revers. Je suis à fond dedans, quoi. Oh là 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 là, je suis Daryl. Bonjour madame. Alors. J'ai emmené ma bonbonne de gaz avec moi. Il y avait un autre mec. Je vais récupérer ça aussi. Oh, très bien, de l'alcool. Nickel. Ça, c'est top. Ah ah! Il y a une femme avec un enfant. Is a liar and a thief. She will say and do anything to further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help you. She will corrupt you. I considered her family. Treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. Ils étaient deux. Mais jamais elle se tait, elle parle trop. Do the same to you. Do not be fooled. Maybe Noir is a menace
She should be shunned. If you assist her in any way, you will leave us no choice but to consider you an enemy of the tower. We do not wish this. J'essaie de me les faire au couteau, les deux. The tower will always stand, Mama. Lui, ça va être chaud. J'y vais. Pousse sur toi. Ah merde, je me suis fait mordre. Fais chier. Ça va. Je suis pas trop blessé. Bon, chers amis, quelle heure il est? Malheureusement, je dois arrêter là. Ah, je suis dégoûté. J'espère que ça va sauvegarder. On verra bien. Attendez, je crois que j'ai vu un... Je vais en rester là pour ce soir, malheureusement. Mais alors, j'aurais tellement eu envie de continuer. Quoi ? Il y en a un là ? D'où il sort ? Chier. Oui, il m'a vu, lui. Mais il y en a deux. D'accord, en fait. Ok. Je garde ça avec moi. Oh, je continue, tant pis. Ah, mais il y en a en face. Mais c'est du délire. Je crois qu'il m'a oublié. On est où là? Bon, faut que j'arrête, je suis pas sérieux. On est là. D'accord, c'est là derrière qu'on doit aller. Dans cette maison, je pense. Quoi ? Qu'est-ce qui a sonné ? Il y a un truc qui a sonné, je sais pas ce que c'était. Bon, écoutez, je vais devoir arrêter. Je dois arrêter, j'en suis désolé. La pause, c'est comment? Voilà. Exit slot from save. J'espère que ça aura sauvegardé. On verra bien. Exit to exit game. Je vais retourner au menu d'abord. Faire ça proprement. Alors. Ça donne chaud, le casque. Bon, je vais parler dans le casque. Reviens après, sinon. Si je reviens après, ça va faire du 23h20. Et ça me fait tard. Moi, je me lève demain à 6h45. Écoutez, je ne sais pas en tout cas si le jeu était intéressant à suivre en live. Ma fille a 15 ans. 13 ans, pardon. C'est mon fils qui a 15 ans. Je ne sais pas. On peut t'attendre, Gus. Non, non, mais j'en ai pour 40 minutes. Mais là, sincèrement, le jeu m'a... Personnellement, en tant que joueur, dans le jeu, c'est juste génial. C'est l'éclate. Je ne sais pas si à suivre, c'est sympa. Bon, bah, tant mieux, parce que moi, je kiffe complètement. J'ai adoré. Vivement jeudi, je vais essayer de ne pas y jouer d'ici là. Et c'est pas l'envie qui va me manquer. En même temps, j'aurai peut-être pas trop le temps. On t'attend 15 heures, Mal. Non, non, mais là, je peux pas. Ça me fera trop tard pour moi. Là, j'aurais bien joué une demi-heure de plus. Mais après, il faut que j'aille me coucher, quoi. Écoutez, on se retrouve jeudi. J'ai pas lu vos derniers notifs. Attends.
Oui, Gus, ta famille, merci beaucoup à Adramelf qui me le rappelle. Je vais m'en occuper tout de suite. Merci à Diablessa aussi pour son abonnement. 4 mois au total. Merci à Bordelix qui s'est abonné, qui a utilisé son Prime. C'est adorable de ta part. Merci beaucoup. Andramelf aussi qui a fait un don avec un message. Premier jeu que je vois en live VR. C'est tellement drôle de te voir t'agiter et être à fond. Je kiffe en plus. Sur l'un de mes univers préférés, super choix de jeu. Merci pour tes lives. Merci à vous. Deka Project s'est abonné. Merci beaucoup. 21e mois. Bonsoir. Bonsoir Deka. J'espère que tu vas bien. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ce que tu sais, mais je le ferai dès que possible. Zineps aussi avec un magnifique abonnement, 2e mois, je t'adore depuis Blanchette et Beyond Minecraft. Oui, bah, tu vois, j'ai hérité de la barbichette, qui l'eût cru que j'ai cette barbiche. Et dernier message, non c'est tout, je suis à jour. Merci à tous d'avoir été là ce soir, tout à fait désolé de devoir interrompre ce live, mais comme je l'ai indiqué au début du live, je dois aller récupérer ma fille à la gare de tram qui revient du théâtre à Bordeaux. Et voilà, j'en ai pour 10 minutes en voiture. J'irai un bon quart d'heure sur place à l'attendre, 10 minutes retour. Donc ça me fera trop tard après pour le live. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Je vous adore. Merci à tous et merci pour votre aide. Je vais travailler mon anglais d'ici jeudi. On se retrouve jeudi soir pour la suite. Merci à tous. Ciao. Portez-vous bien. À bientôt.